Soyez les bienvenus au Parc Saint-Jacques, le stade de Bâle qui accueillera la finale de l'Europa League. Bonjour, nous ne sommes plus qu'à une petite marge de la finale et de l'espoir de décrocher ce titre qui fait rêver tous les joueurs. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Joueurs qui vont être alignés. Une très grande ouverture. Il est lancé vers le poteau de corner. Allez, ça peut faire mal. Bale, le centre. Quel danger va revenir, il fallait le mettre en tribune ce ballon. Il passe en retrait. Pas le choix avec cette défense. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça ne passe pas. Dans le tour de la défense. Oh, la frappe! Le but de la Fiorentina! Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Et il en est désormais à 4 buts dans la compétition. Story. C'est toujours plus compliqué quand on prend un but en début de match comme ça. Il est passé, il peut en profiter. Attention, et il marque. Je le sentais venir celui-là, je vous le jure. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard.
Ça repart du rond central, égalité parfaite. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Bogdan Stanku. C'est joué dans la surface. C'est joué long, attention. Ça sent la frappe. Oh, la frappe! Oh, quelle parade! Ça fait du bien. C'est bien écarté. Bonne lecture de la trajectoire. Astori. Un long ballon vers l'avant. Josip Iličić. Il centre directement. Il joue dans l'espace. Une occasion. Le but de la Fiorentina. Et il passe devant. Ah, c'est beau le foot quand ça combine comme ça. Un peu de tiki-taka. Et hop, c'est dans la boîte. Bravo. Kalinic. Non, c'est le deuxième but dans cette compétition. Servi. Oh, la grosse occasion! Oh, quel geste! Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Jolie passe lobée. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Josip Iličić, qui a donc offert un but à son coéquipier. Kalinic. Il choisit là-bas, sur l'aile. Badelj. Il choisit la profondeur. Kalinic! Oh, c'est un arrêt important, ça! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Loin. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Il glisse le ballon en profondeur. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Centre. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Bon, j'avais fait un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Il écarte le jeu. Il centre de loin. Bonne interception, il y avait danger. Un centre lointain. Il est côté droit, il y a un truc à faire. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Badelj. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué long, attention. Ça, c'est une interception parfaite. C'est joué long.
On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, il me chambre l'anglais, mais j'ai raison ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est normal quand... Et un contact qui n'était pas régulier, coup franc. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Décide d'allonger le jeu. Dans le dos de la défense. Gonzalo Rodriguez. Bale qui a mis son pied en opposition. La bonne passe. Bogdan Stanku qui aimerait sans doute avoir un peu plus de... C'est au fond du filet! Non, verdict de l'arbitre. But refusé. Effectivement, l'arbitre assistant avait levé son drapeau depuis un moment. C'est l'arbitre qui s'est réveillé un petit peu tard. Allez, il faut oublier vite ce but refusé. Le jeu va reprendre. Ah, de l'activité sur les bancs de touche. Changement peut-être. Gonzalo Rodriguez. Joue dans l'espace. Ils peuvent encore faire deux changements, ça laisse des possibilités. Il cherche un coéquipier. Un centre dans l'axe pour personne. Long ballon dans le sens du jeu. Josip Iličić qui tente un centre lointain. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Son cœur là-dedans, c'est fou, je ne la voyais pas tirer de si loin. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. De repartir de derrière. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, l'intervention magnifique! Le ballon traîne toujours, attention! Quelle occasion, en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Regardez son visage, il sait qu'il vient de rater une énorme occasion. Ça s'active sur le bord du terrain, on devrait assister à un changement. Et ce ballon vers ses attaquants. Oui, bonne intervention de la défense. Il va falloir trouver des solutions maintenant. C'est vrai que c'est compliqué, mais ils doivent continuer à y croire. Une dernière action peut-être pour éviter une défaite retentissante. Mais il va être sanctionné. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Il a déjà un carton, ça aurait pu être le rouge cette fois. Il s'en sort bien. Kalinic, elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Sur l'aile gauche, et il a du soutien. C'est joué long, attention. Le bon tacle. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Du gardien.
Le match est terminé. L'équation est toute simple. Pour espérer se qualifier, ils doivent maintenant s'imposer à l'extérieur. J'ai surtout été surpris par la fragilité de l'axe de leur défense. Une zone qui est normalement bien protégée. Les attaquants adverses l'ont bien exploité et ça se traduit donc par une défaite. Thank you.